Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Je suis strappé. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur. Je t'ai médecin? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, comme toute Libérine à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour.